Bonsoir à tous. Alors, je suis Sophie Valério, je suis la déléguée médicale pour les médicaments du docteur Rekeweg pour la Suisse romande. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour cette soirée en webinaire qui va être animée par le docteur Jean-Yves Henry, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Il est médecin homéopathe, naturopathe, spécialisé en homéopathie et médecine complémentaire. Avec ses 40 ans d'expérience en médecine complémentaire, il enseigne déjà depuis de nombreuses années dans ce même domaine. Et ce soir, durant ce webinaire, on vous propose d'aborder le thème du métabolisme avec ses problématiques comme le diabète, le cholestérol, les troubles de la thyroïde et l'anémie. Le docteur Jean-Yves Henry nous donnera des informations sur la physiologie, sur les pathologies, ainsi que sur des façons de guérir ou de soulager au moyen de médecine complémentaire et des médicaments du docteur Rekeweg. Alors, si vous avez des questions qui surviennent durant la conférence, vous pouvez les poser grâce à l'outil questions-réponses en bas, et puis on va y répondre par écrit durant la soirée, ou alors Jean-Yves Henry le fera à la fin de sa conférence. Alors voilà, bah maintenant j'ai l'honneur de laisser la place au docteur Jean-Yves Henry et je vous souhaite une bonne écoute à tous. Voilà, ben bonjour tout le monde. Joyeux automne. Joyeux automne. Alors, nous allons ce soir parler des problèmes métaboliques. Et donc, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé, à mon avis, mais on va essayer de cerner les problèmes et d'y trouver des solutions. Voilà, alors la définition scientifique du métabolisme, c'est le rapport qu'il existe entre l'anabolisme, c'est-à-dire ce que va absorber et synthétiser le corps à partir des intrants, l'air, l'eau et la nourriture, et puis le catabolisme, c'est-à-dire ce que va dégrader et éliminer le corps, donc les excréta, dans tous les sens du terme. Alors, si ce rapport est positif, vous allez prendre du poids. Et si ce rapport est négatif, vous allez perdre du poids. Et c'est une définition qui est extrêmement précise et qui est assez, qui est à la fois large et précise. Voilà. Alors, pour le commun des mortels, le terme a une signification plus globale. Alors, le métabolisme, on parle un petit peu de toutes les fonctions actives de construction et de déconstruction du corps. Cela comprend bien sûr le foie, les poumons, les intestins, les reins, la peau, le cerveau. Et bien sûr, ça va recouvrir le grand problème de la détoxification et des systèmes spécialisés du corps dans la détoxification. Alors, soyons clairs sur la définition scientifique, il y a des choses qui ne sont pas métaboliques. Alors, en particulier les maladies infectieuses et parasitaires, les pathologies immunitaires, allergiques, inflammatoires ou dégénératives, certaines dysrégulations endocrines et génitales, les troubles neurologiques et psychologiques, les problèmes vasculaires, les soucis traumatiques, etc. Encore que toutes ces affections peuvent avoir un volet métabolique, comme nous allons le voir. Alors, on peut résumer, on peut utiliser un langage informatique, hein, le métabolisme, c'est le problème de l'input et de l'output, ce qui rentre et ce qui sort. Donc, l'absorption alimentaire est centrée sur les organes du tube digestif et le foie, qui va transformer et stocker ces aliments. Le pancréas et la thyroïde ont aussi un rôle important. L'élimination sera digestive par les selles, mais aussi urinaire, les reins ayant un rôle central. Les poumons ont un rôle annexe dont nous parlerons. Et enfin, la peau est un émonctoire accessoire qui se manifestera si l'un des trois autres est déficient. Hein, donc, les toxines graisseuses, sucrées et graisseuses vont passer essentiellement par le foie. Les toxines liquides vont passer par le rein. Les toxines gazeuses passeront par les poumons. Et quand la peau se manifeste, eh ben, c'est qu'un des trois précédents ne fonctionnera plus.
Alors, l'appareil digestif, bien sûr, a un rôle au premier plan. Celui-ci va intervenir à plusieurs niveaux. Le transport des aliments vers l'épithélium de résorption, le rejet des déchets, qui sont essentiellement des fibres, et presque exclusivement de façon autonome par le biais du système sympathique, ortho et parasympathique, qui va gérer tous les organes digestifs. Alors, au sein de ce système digestif, il y a un système central qui est l'ensemble foie et vésicule biliaire. Celui-ci représente 60% de la biosynthèse et de la détoxification. Et on connaît à présent 900 fonctions biochimiques de ce foie et de cette vésicule biliaire. Les organes annexes, estomac, rate et pancréas, intestin grêle et côlon, vont surtout gérer l'interface nourriture-milieu intérieur via les systèmes lymphoïdes et veineux portes. Voilà, ça c'est un petit rapport, petit rappel anatomo-physiologique. Alors évidemment, pour moi, il y a un chouchou qu'on va mettre en avant dans énormément de pathologies, c'est le R7 hépagallène, c'est les remèdes du foie. Pourquoi? Parce que le foie stocke le fer, il gère la coagulation, il recycle les hormones, et bien sûr, il va gérer toute la première phase de digestion des sucres et des graisses, et également la détoxification de certains déchets protéiques. Donc, il faudra y penser quand il y aura des inconforts gastro-intestinaux, nausées, ballonnements, irritations. Alors, s'il y a une sécrétion insuffisante de bile, la bile et la vésicule biliaire, c'est l'élément moteur de la digestion. Donc, dès qu'il y a une constipation, et en particulier une constipation de selles sèches, il faudra penser à la vésicule biliaire. Et donc, on utilisera, on verra, hépagallène, R7 et éventuellement le R39. Alors, sensation de trop-plein, de pesanteur, de douleur abdominale associée à une digestion ralentie, d'un repas trop riche en graisse, troubles fonctionnels du foie, cholécystite, inflammation des voies biliaires, hein, tout ce qui est les problèmes de toxiques au niveau du foie, avec évidemment l'alcool en tout premier plan. Et puis, bien sûr, l'hypercholestérolémie, on verra que le foie a un rôle absolument majeur dans l'hypercholestérolémie. Celui-ci synthétise le cholestérol et favorise l'élimination des graisses par le biais des selles biliaires. Alors la formule en est très simple, hein, avec voilà, Cardus Marianus, Nux Vomica, Lycopodium, hein, la sécheresse, Chélidonium majus, le grand remède de la motricité vésiculaire. Hein, c'est une formule simple, mais qui est très physiologique. Voilà, Cardus en particulier, c'est une astéracée, hein, donc c'est un remède, le chardon, c'est un remède à la fois du sang et de l'eau. Donc ça va remettre du sang et de l'eau dans le foie, et c'est vraiment un énorme remède de la régénération du foie. China, c'est un énorme remède du sang aussi. C'est grâce à China que Samuel Hahnemann a découvert le principe de l'homéopathie. Voilà, on retombe toujours sur des grandes molécules tout à fait intéressantes. Et puis la noix vomique, hein, qui est quand même un grand remède d'intoxication et d'irritation du système sympathique face à cette auto-intoxication ou exo-intoxication. Alors, nous allons voir ensemble quelques troubles métaboliques principaux. Le diabète, avec ses différentes évolutions, le syndrome métabolique et la microangiopathie diabétique, j'insisterai là-dessus parce que en Suisse, actuellement, c'est une véritable épidémie, à la fois une épidémie de ces syndromes pour des raisons de malbouffe, la goutte, on en dira un mot, les troubles thyroïdiens également, hein, on voit exploser le nombre des troubles thyroïdiens. Et puis également, les carences en fer et comment on va pouvoir corriger ça en sachant que les carences en fer vont entraîner des troubles de l'oxygénation, une fatigue chronique. Et puis également, on n'y pense pas beaucoup, mais le fer a un rôle très important dans la synthèse des neuromédiateurs. Et on voit énormément de gens avec des fatigues et des dépressions chroniques
dont la cause est extrêmement simple, c'est souvent simplement une carence en fer. Alors, les dysfonctions thyroïdiennes, alors il y a énormément de dysfonctions thyroïdiennes, quantitativement et qualitativement. Alors d'abord, il y en a de plus en plus parce que l'industrie pharmaceutique a trouvé très affûté de faire croire que le fluor empêchait les caries, ce qui est absolument faux. Et puis surtout, ils n'ont pas réfléchi au fait que le fluor est un halogène comme l'iode. C'est un iode léger sur la table de Mendeleïev et il va prendre la place de l'iode dans la thyroïde et donc il va induire des pathologies thyroïdiennes multiples. Et donc maintenant, on a des dentifrices bifluorés, trifluorés qui sont des catastrophes métaboliques. Hein. Et même le sel que vous achetez, le sel iodé que vous achetez, quand vous lisez bien la petite notice, il y a marqué, on a rajouté 6 molécules de fluor pour une molécule d'iode. Alors après, qu'est-ce qu'on voit statistiquement? Il y a essentiellement trois grandes pathologies, hein, les hyperthyroïdies, avec une hyperfonction auto-immune, la maladie de Basedow, une hypofonction auto-immune, la maladie d'Hashimoto, et un trouble de structure, le goitre, qui peut être global, mono ou multinodulaire. Alors, bien sûr, il faut avoir, avant de se lancer dans la thérapeutique, il faut affiner le traitement. Alors, il faut savoir que les pathologies auto-immunes sont des phases 5 de Reykjavik, et ces phases 5 de Reykjavik apparaissent après une phase 4. Donc, la phase 4, c'est une phase de sécheresse et généralement d'irritation immunitaire, de dysfonction immunitaire, qui peut être induite par tout un tas de choses, des virus chroniques, la maladie de Lyme par exemple, des polyvaccinations, et puis également des troubles de type intolérance alimentaire, qui vont détraquer progressivement le système immunitaire et qui vont déclencher un feu interne qui est, comme disent les Chinois, hein, la maladie auto-immune, c'est un feu interne. Donc là, on a un rôle à jouer, bien sûr, et en particulier de bien comprendre qu'est-ce qui détraque le système immunitaire et comment faire pour le corriger. Alors le R51, il est intéressant parce que c'est un grand remède de la thyroïde qui s'emballe, hein, avec iodome bien sûr D30, belladone, lapis albus, hein, lapis albus qui est un silicofluorate de calcium. Qui est un remède des nodules élastiques, hein, Lycopus virginicus, qui est un remède des troubles d'urine sur hyperthyroïdie, et puis bien sûr natron mur, natron chloratum, qui est un remède aussi de sécheresse tissulaire. Voilà. Donc ça, c'est un très bon remède d'hyperfonction de la glande thyroïdienne. Ça marche très bien, bien sûr à surveiller avec les dosages et la symptomatologie. Alors évidemment, tiens, petite devinette, est-ce que vous connaissez le premier symptôme de l'hyperthyroïdie? Alors le premier symptôme de l'hyperthyroïdie, c'est le divorce, hein, parce que ça crée des telles tensions nerveuses, une telle accélération de la nervosité, de l'agitation, etc., que le mari ou l'épouse qui est en face, ben, elle craque, elle s'en va. Voilà, donc quand vous avez un divorce un petit peu, pensez-y, hein, parfois il y a une hypothyroïdie sous-jacente. Alors, qui est un grand remède de l'insomnie et de la nervosité, hein, Coffea, grand remède de l'insomnie et d'endormissement, Avena sativa, de la fatigue, de l'insomnie sur fatigue, hein, Escholgia californica, hein, qui est un petit dérivé, un petit cousin de l'opium, et puis Humulus lumulus, qui va remettre de l'eau dans le rein, donc qui va permettre de calmer l'agitation de chaîne, et puis Valériana, Zincum, Passiflore, enfin c'est vraiment une formule absolument merveilleuse pour normaliser le sommeil, y compris chez les enfants. Il n'y a pas de toxicité, vraiment c'est super. Neuroglobine, alors grand remède d'agitation et de nervosité, très intéressant, on voit apparaître l'achésis,
Et Ignatia, hein, la késit, c'est un grand remède comportemental de l'hyperthyroïdie, hein, très souvent, irritation et nervosité. Glonoïne aussi pour les bouffées de chaleur. Hein, très souvent, il y a des bouffées de chaleur dans l'hyperthyroïdie. R47. Voilà. R95, alpha-alpha composé. Alors, celui-là, il est plus intéressant pour ce qui est de la fatigue et des états de dépression. Hein, avec en particulier l'acide phosphorique, qui est le grand remède des épuisements nerveux pour les gens qui vraiment. J'avais trouvé une formule pour se rappeler des effets de l'acidum phosphoricum, c'est épuis merde. Hein, vous voyez, c'est vraiment la personne qui est en burn-out et qui n'en peut plus. Voilà. Magnésia fausse, China, là encore, on retrouve le remède de l'épuisement. Et puis le ginseng, qui est un tonifiant de tous les yang. Là aussi, très bon remède, R95, de l'épuisement nerveux et de pré-burn-out. Alors, R84, Ignatia compositum, formule très très simple de la nervosité et de la fatigue, en particulier chez les enfants et les étudiants. Vraiment super. Kalium fausse, ça nourrit la cellule nerveuse. Zincomsulf, grand maître de l'épuisement nerveux aussi. Vraiment formule très simple et très efficace, surtout, je pense, enfants et adolescents. Vésiculine, alors vésiculine, très intéressant parce que ça contient de l'iode. Alors évidemment, fucus et graphite, qui est une aggravation de pulsatilla. Pulsatilla et graphite sont des grands remèdes de l'hypothyroïdie. Fucus est un grand remède aussi de l'hypothyroïdie. Donc vésiculine R59, là au contraire, on est basculé sur le versant hypo. Alors, deuxième grand chapitre, les carences en fer. Alors, bien sûr, d'abord et avant tout, identifier l'origine du trouble. C'est souvent une femme, soit anorexique parce que ben, elle ne mange pas assez, hein, ou au contraire, avec des pertes abondantes, elle a beaucoup de pertes de sang. Et bien sûr aussi, ça peut être une végétarienne ou une végane. Hein. Donc là, si vous voulez, on a un problème. Souvent les véganes, ils sont très au courant du risque de la carence en fer et ils se supplémentent assez systématiquement. Hein. Mais quand on fait des dosages, quand même, le fer est rarement au point. Et puis, vous avez des maladies, des troubles de l'absorption du fer et en particulier, vous avez une maladie auto-immune qui s'appelle la maladie de Birmer, hein, qui va toucher à la fois le fer et la vitamine B12. Et là, qui nécessitera un traitement vraiment spécifique. Voilà, alors R31, hein, contre-AMA, pour les anémies, ça contient quoi? Ben, de nouveau, China, un grand remède des épuisements par vide de liquide organique, hein, le sang étant un liquide organique, arsenic comme iode, hein, pour tout ce qui est des phénomènes d'empoisonnement. Qui vont bloquer le métabolisme du fer, le fer lui-même, en D6, lycopodium, grand remède de sécheresse tissulaire et de pathologie hépatique, et puis sulfure, grand remède de relance métabolique générale. Voilà. Ça marche bien. Alors, l'alimentation riche en fer, il faut savoir, alors vous avez, bon, si on regarde le fer, il y a des aliments qui sont très très riches en fer, et en particulier un des plus riches en fer, par exemple, c'est la spiruline. Le problème, c'est que c'est un fer qui est difficilement absorbable. Donc, là aussi, c'est malheureusement les aliments animaux qui ont un fer le plus facilement absorbable. Alors, il faut traiter aussi, bien sûr, les problèmes de perte. Alors, pourquoi elle a des pertes longues et abondantes et des cycles courts? Bon, ben, il va falloir explorer la question. En attendant, vous pouvez attaquer avec R28, hein, sécalène, qui contient donc
bien sûr, ferrum fos, amamélis, qui est le grand remède veineux, cécalécornutum, qui est un grand remède qui améliore l'hémostase au niveau de l'utérus, aesculus, qui est un grand remède aussi de la stase veineuse. C'est très intéressant. Alors là aussi, s'il y a un fibrome, et en particulier s'il y a un fibrome sous-muqueux, en cours de préménopause, ce qui se voit assez souvent, il faudra bien sûr faire un curetage. Parce que les pertes, vous allez limiter les pertes, mais souvent ça ne suffira pas. Donc il va falloir vraiment affiner le diagnostic. Et surtout, si le, d'ailleurs, c'est une réflexion que je me fais très souvent. Si un traitement homéopathique bien choisi ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une lésion organique sous-jacente. Voilà. Et là, il ne faut pas hésiter à passer la main et à continuer les explorations. Hein. Ce n'est pas que l'homéopathie ne marche pas, hein, c'est qu'elle n'est plus indiquée, on a dépassé le stade de la fonction, on est dans de l'organique. Alors, après, bien sûr, baisse de la concentration, ben, on voit revenir la formule alpha compositum, hein, grand remède d'épuisement nerveux et de fatigue, tout à fait intéressant chez les femmes avec des ferritines très basses et avec des pertes abondantes. Imbellion, alors ça c'est Imbellion, c'est un remède qui est beaucoup plus orienté vers la tension nerveuse et en particulier vers la difficulté à se détendre et les phénomènes d'insécurité. Donc les gens en insécurité psychologique vont surcompenser par une tension nerveuse permanente. Et ils vont présenter un épuisement nerveux de surtension. Voilà. Et ça marche bien. R54, hein, trouble de la mémoire, manque de concentration par tension nerveuse permanente sur fond d'insécurité. Silicéa Comp, alors là, Silicéa Comp, on est dans une problématique de. Alors, Silicéa, c'est quand même le grand remède. Des auto-immunités d'abord, hein, Silicéa, c'est la silicose, c'est une grande auto-immunité. Et puis, c'est un grand remède, en particulier des chutes des cheveux et des paphanères, hein, ongles fragiles, cassants, qui suit un vide de sang, hein, donc une anémie, ou au contraire une chimio ou une radiothérapie. Voilà, ça marche pas mal. Donc, Silicéa, Thuya et Fluoricacine. C'est une petite formule aussi très très simple, mais qui est assez efficace. Et puis, bien sûr, on pourra ajouter Œnothéra compositum, l'onagre, qui va compenser les carences en progestérone et qui sont la cause souvent des troubles des règles et des règles trop abondantes. Voilà. Alors, si vous me demandez quels sont les aliments les plus riches en fer assimilable, eh ben, je vous dirais le boudin noir et la viande rouge. Je ne vais pas me faire des copains chez les véganes, excusez-moi. Les carences calciques, alors c'est la grande mode. On va mettre en place un certain nombre de choses qui vont favoriser ça, qui vont éviter l'ostéoporose, mais retenez bien que l'élément déterminant dans ça, c'est l'exercice physique. Il est essentiel. Et on l'a bien vu dans la Station spatiale internationale, hein, la seule chose qui évite réellement l'ostéoporose aux gens en orbite au-dessus de notre tête, c'est l'exercice physique, à tel point que dans la Station spatiale internationale, il y a une salle de fitness avec un rameur, avec un vélo adapté, etc. Et ils sont obligés de faire 2 à 3 heures d'exercice physique par jour, sinon ils sont rapidement ostéoporotiques. La perte est de l'ordre d'à peu près 3% de la masse calcique par semaine. Hein. Donc ça va très vite. Et c'est pour ça qu'on leur impose un exercice physique. Alors là, mamie, je lui dis, écoutez, mamie, vous avez certainement un vélo dans le garage. Il va falloir regonfler les pneus. Alors,
Galgossin, trouble du métabolisme calcique. Alors, il ne faut pas croire que c'est en mangeant de la fondue et des yaourts qu'on va améliorer son équilibre calcique. Hein. Ça, ce n'est pas vrai. Et il ne faut pas croire non plus que la vitamine D3 va améliorer l'équilibre calcique. Alors, la vitamine D3 est intéressante, mais c'est le traitement de l'ostéomalacie, donc du rachitisme des adultes. Ce n'est pas du tout le traitement de l'ostéoporose. Alors, ceci dit, c'est quand même intéressant de donner des sels de calcium homéopathiques, avec en particulier de la silice, du fluorure de calcium, hein, du carbonate de calcium. Alors, bien une grosse différence entre le fluorure de calcium homéopathique et les sels fluorés des dentifrices. Hein. Les sels fluorés des dentifrices, c'est du fluorure de sodium. Voilà. Et puis, très intéressant, dans cette formule, vous avez Ekla Lava, la lave du mont Ekla, qui est le traitement spécifique des ostéophytoses, hein, de l'épine calcanéenne et puis de ce qu'on appelle vulgairement les becs de perroquet. Parce qu'en fait, l'ostéoporose, ce n'est pas tellement une perte du calcium, c'est un déplacement de la masse calcique de l'os sur le tendon. Et donc, il y a des déformations en bec de perroquet. Voilà, très bon produit de prévention associé à l'exercice physique et puis à un certain nombre d'autres thérapeutiques. Alors, bien sûr, cette ostéoporose, elle apparaît dans un cas à partir de la sécheresse des tissus. Hein. C'est la sécheresse de tissu qui va entraîner l'ostéoporose et cette sécheresse chez les femmes, eh bien, elle apparaît à la ménopause. Donc vous pourrez penser au R10 qui va améliorer les symptômes de la ménopause et puis surtout qui va limiter la sécheresse des tissus. Alors il y a aussi tout un tas de plantes, mais en particulier Œnothera biennis qui est une grande plante avec des vertus hormonales et qui pourra aussi être utilisée pour prévenir l'ostéoporose. Voilà. L'arthrose se développe parallèlement à l'ostéoporose puisqu'en fait, c'est la sécheresse des tissus qui va induire une sécheresse de l'espace intercartilagineux, intra-articulaire. Et donc, cette sécheresse des tissus va faire que le cartilage va s'abîmer, il va s'amincir, exactement comme deux engrenages vont souffrir si on ne met pas d'huile. Hein? Donc, la meilleure prévention de l'arthrose, eh bien là aussi, c'est de traiter la sécheresse des tissus. Et donc, on va utiliser des grands remèdes de sécheresse, comme par exemple Brionia ou Causticum. Ça, c'est deux très grands remèdes homéopathiques de sécheresse. Donc, R73, spondartrin, très intéressant pour les arthroses débutantes. Lombalgien, alors évidemment, là, dans les douleurs vertébrales, vous avez un élément qui est très important, c'est l'élément périarticulaire. Hein. Donc là, on va bien sûr traiter la sécheresse. Hein, avec causticum, et puis on va traiter les phénomènes d'inflammation périarticulaire avec rhododendron, rustox, nux vomica, qui est un grand remède de lombalgie par stagnation de sang, hein, chez les sujets un petit peu corpulents, et puis berbérisme, qui est aussi un grand remède de sécheresse, des tissus. Alors on va passer maintenant au diabète. Vous savez qu'il y a une épidémie de diabète actuellement. Le diabète est une fragilité génétique et une maladie auto-immune. Alors, quand j'ai dit ça il y a 40 ans, tout le monde m'a ri au nez. Et puis, parce que je faisais des tests hein, déjà un peu plus sophistiqués que les copains. Et puis, ça y est, maintenant c'est officiel, c'est une maladie auto-immune. Voilà. Alors, évidemment, il y a une fragilité génétique, hein, mais il y a un déclenchement. Il y a une dysfonction auto-immune qui aggrave le diabète systématiquement. Alors, le diabète maigre, ou dit insulinodépendant ou du jeûne, c'est des anticorps anti-IL-2 de Langerhans, hein, donc qui vont détruire le pancréas endocrine.
En sachant qu'il y a deux complications au diabète maigre, hein, c'est l'hyperglycémie qui va donner un coma acido-cytosique et l'hypoglycémie qui va donner un coma hypo rapide avec surprofuse et avec un risque de dommages cérébraux s'il n'est pas rapidement compensé. Pour le compenser, c'est facile, il n'y a qu'à les faire manger. Alors donc, ce diabète maigre, bien sûr, il est à traiter par l'insuline. La difficulté qu'on a chez les jeunes, c'est qu'ils ont beaucoup de mal psychologiquement, ils associent l'injection d'insuline à la maladie. C'est-à-dire que de temps en temps, ils en ont marre, ils oublient de le faire. Et donc, on les retrouve en réanimation, qui est quand même ennuyeux. Le diabète gras tardif, non insulino-dépendant, c'est des anticorps anti-récepteurs à l'insuline. Et donc, on a à ce moment-là des problèmes de fatigue et puis de faim, de fringale, qui vont entraîner un yo-yo glycémique et une évolution vers l'obésité et le syndrome métabolique dont on va parler tout à l'heure. Et puis, les deux vont amener vers la microangiopathie diabétique avec des anticorps anticapillaires, hein, qui vont faire que la moitié des diabétiques vont mourir aveugles. Et un tiers des diabétiques va mourir insuffisant rénal. Donc vous voyez, c'est une complication d'artérite oblitérante distale. D'ailleurs, que les classiques n'ont absolument aucun moyen biologique pour l'évaluer. Et puis, ils n'ont aucun traitement. Donc là, je pense que nous avons des outils qui nous permettent de mieux comprendre le mécanisme et de faire des traitements qui améliorent considérablement le vécu et l'évolution des patients. Là aussi, le foie va jouer un rôle dans la régulation de la glycémie. Vous voyez, le foie, il est très important. Pourquoi? Bah parce que c'est lui qui synthétise le glycogène. Et le glycogène, c'est la mise en réserve et la disponibilité rapide du glucose. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle un effet glycogène. C'est-à-dire que cette molécule hydrophobe va retenir beaucoup d'eau pour se solubiliser. Ainsi, si vous prenez un gâteau de 100 grammes de sucre, vous prendrez dès le soir 300 grammes environ, le reste étant de l'eau. C'est ce qui fait qu'il y a des patientes qui vous disent je m'arrête devant la boulangerie, devant la pâtisserie, et puis le soir, j'ai 300 grammes de plus. En fait, elle a oublié de vous dire qu'elle est rentrée et elle a pris un gâteau de 100 grammes. Voilà. Mais elle est punie beaucoup plus que ce qu'elle devrait parce qu'elle a pris 300 grammes. Bon, c'est pas très grave parce que dans les 48 heures, elle va reperdre cette roue et ce sucre va être remétabolisé. Enfin, il faut lui expliquer que l'effet glycogène est tout à fait connu et mesurable. Alors, les aliments qui ont l'index glycémique le plus bas, c'est les légumineuses, hein, ce qu'on appelle des fabacées. Les céréales complètes ou semi-complètes et les oléagineux. Donc, privilégier des aliments de ce type, ceux qui ont les indices glycémiques les plus forts, eh ben, c'est les farines blanches, et puis bien sûr les fruits, et puis le sucre raffiné. Alors, la quantité et la qualité de notre alimentation est un facteur capital d'équilibre métabolique. Les patients n'ont pas notion des changements d'habitude alimentaire que nous avons infligés à notre corps durant ce dernier siècle. Hein, on est passé des chasseurs-cueilleurs jusqu'au Big Mac. Hein, et puis, évidemment, actuellement, prévision OMS, hein, en 2015, on y est. On a sur Terre 2,3 milliards d'adultes en surpoids et 700 millions d'obèses. Donc là, il y a un vrai, vrai problème. Pourquoi? Parce que on a une alimentation qui ne correspond plus à nos activités. Alors, problématique de l'alimentation moderne, les glucides, on en consomme 6 fois plus. Et avec diminution de la part des glucides complexes, hein, les pommes de terre, le riz, par rapport au sucre simple. Alors, le pire, évidemment, c'est les boissons sucrées, Coca-Cola, tout ça. Le yo-yo glycémique, l'hyperinsulinisme et la tendance à la prise de poids, surtout s'il y a un antécédent familial de diabète. Les personnes qui ont des taux sanguins les plus élevés en perturbateurs endocriniens ont un risque de diabète multiplié par 37.
Hein, donc actuellement, évidemment, il y a des perturbateurs endocriniens partout et ça favorise le diabète. Est-ce que vous savez quel est le produit qui est le plus riche en perturbateurs endocriniens? Hein, alors curieusement, c'est le rouge à lèvres. Voilà, c'est intéressant. À noter aussi que si le poids de l'enfant est supérieur à 4 kilos à la naissance, il y a un risque de développement d'un diabète à l'âge adulte. Donc, il va falloir faire très attention et lui dire d'éviter les bonbons, les choses trop sucrées, etc. Alors, les éléments à privilégier pour la régulation de la glycémie. Le chrome, alors ça c'est démontré. Le chrome aide à réguler les fluctuations des taux de sucre, en particulier ça diminue les fringales. Le manganèse qui améliore l'insuline. Le vanadium, alors à l'état de trace. Hein. Le zinc, bien sûr, qui favorise la production d'insuline et son action. La vitamine B8. Les fibres prébiotiques hein, et un bon microbiote, évidemment. Les protéines, comme le fenugrec, qui vont régulariser l'absorption des sucres. Alors, en général, on le verra dans le régime diabétique. Hein. Dès que vous mangez un fruit, du sucre ou un féculent, c'est-à-dire du sucre, si vous voulez tamponner le yo-yo glycémique, faut prendre des protéines. Et puis, bien sûr, les huiles, hein, et en particulier les oméga-3, qui améliorent la sensibilité à l'insuline. À noter que la metformine, traitement de base du diabète en allopathie, réduit votre taux sanguin de vitamine B12. Donc, si vous avez des patients sous metformine, pensez à leur faire vérifier la B12 et à éventuellement leur donner de la B12. La B12 est très importante, hein, c'est une vitamine qui module la croissance du tissu et en particulier qui protège le système nerveux. Les carences en B12 donnent des polynévrites. Alors, chez Regvec, on a un complexe qui est quand même très intéressant au niveau du diabète, le R40, le diaglucon, qui est spécialisé pour le diabète de type 2. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, vous avez arsenic comme album. Phosphorique acide, donc ça c'est intéressant en particulier, phosphorique acide hein, pour la relance du cycle de Krebs, lycopodium qui est à mon avis un des grands remèdes du diabète gras, natrum sulf, phaseolus nanus, le phaseolus c'est le haricot, hein, cécalicorne du tome et uranium nitricum. Alors, très intéressant, uranium nitricum, c'est le remède du diabète rénal. Donc, il va éviter, il va protéger le rein des pics glycémiques. Voilà, c'est intéressant aussi à ce niveau-là. La rutavine R55, donc on s'en sert bien sûr pour les traumatismes et la guérison des plaies, mais il est intéressant parce qu'évidemment les diabétiques ont des plaies qui cicatrisent mal, bon, et en plus ils vont avoir une fréquence d'infection cutanée ou muqueuse plus élevée parce que les germes adorent le sucre. Et en particulier, on voit très souvent des cystites à répétition chez des femmes diabétiques. Voilà. Et souvent, d'ailleurs, c'est une occasion de découvrir leur diabète parce qu'on va trouver du sucre dans les urines. Voilà, qu'est-ce que ça contient? Arnica, belladone, calendula, cicatrisant, échinacea, grand anti-infectieux, amamélis, grand remède vasculaire, et puis ruta, grand remède des tendons et des entorses. Alors, le R63 endangiétin, ça c'est pour les troubles vraiment des capillaires, hein, donc c'est assez spécifique de la microangiopathie diabétique, avec cupromacéticum, cécalicornicum, qui est un remède de spasme périphérique. Alors, il y a un petit symptôme de cécalicornicum qui est assez typique justement de la microangiopathie diabétique, c'est-à-dire que le malade vous décrit des douleurs brûlantes. Alors que quand vous touchez le membre, il vous paraît glacé. Voilà, ça c'est typique
de ces calicornes du thon. Tabacum, bien sûr, qui est un grand remède de l'atteinte vasculaire périphérique, et puis Vératrum album aussi, qui est un remède de spasme vasculaire périphérique. Alors, R72, alors, qui est le grand complexe du pancréas, c'est intéressant de l'utiliser en particulier quand vous avez des yo-yo glycémiques importants et un syndrome du côlon irritable. On retrouve lycopodium aussi, donc pour la régulation des sucres, Momordica et Phosphorus. Phosphorus est un grand remède du diabète maigre. Et puis, Apis, qui est un remède de remise en circuit de l'eau dans le corps. Voilà. Et puis, toujours dans ces gros problèmes de diabète, et en particulier de type 2, et d'auto-immunité, d'ailleurs de façon plus large, suspecter une intolérance alimentaire associée, la sensibilité au gluten étant le numéro 1. Moi, je demande un bilan IMU ProScreen, c'est-à-dire un tout petit bilan à 22 paramètres, mais qui sont les aliments de base. Et très, très souvent, on voit qu'il y a le gluten, le lait, les œufs, les fruits à coque, etc. Mais le gluten, c'est vraiment le numéro 1 des intolérances alimentaires. Et en plus, ça concerne les céréales, donc un énorme apport de sucre. Voilà. Donc, les gens, ils ont le sucre en excès. Et puis, bon, les gâteaux, tout ce qui est pâtisserie, boulangerie, etc. Et puis, en plus, le gluten va déclencher une auto-immunité et ils ont tout ce qu'il faut pour démarrer un diabète. Alors, l'intolérance, la sensibilité au gluten, c'est 5 à 10% de la population. Faut savoir que les variétés modernes sont plus riches en gluten. Hein, les froments friables ont laissé la place à des froments mi-durs plus riches en gluten, qui sont maintenant majoritaires depuis 88. Et pourquoi? Ben parce que le gluten permet d'augmenter le volume des pains, des pâtisseries et des produits panifiés. C'est très difficile, par exemple, de faire une pizza sans gluten. Et surtout, il permet une meilleure conservation. Donc, ça résiste mieux aux machines qui malaxent le pain, et puis ça se conserve mieux. Donc, on a favorisé sans arrêt le gluten, qui est une espèce de colle qui va entraîner des problèmes de dysbiose et des problèmes d'intolérance alimentaire, puis rapidement des problèmes hépatiques, des problèmes tendinomusculaires, et puis toutes les pathologies de l'intolérance alimentaire. Voilà, alors le prédiabète, il y a deux tests biologiques vont nous permettre de surveiller le diabète, en plus de la glycémie. Alors la glycémie, elle est perturbée que quand le diabète est vraiment installé. Donc des fois, 10 ans après que le diabète ait commencé. Donc ne vous fiez pas sur une glycémie normale pour dire qu'il n'y a pas de diabète. Pour mettre en évidence un prédiabète, il faut demander un test OMA, qui est un test de sensibilité, d'hypersensibilité à l'insuline. Voilà, vous demandez un test OMA. Alors, il y a d'autres tests comme le Quickie, par exemple, qui ont été proposés en remplacement de l'OMA, mais l'OMA, il va très bien en général. Et puis, quand le patient est diabétique, il y a un test qu'il faut demander systématiquement, c'est le dosage de l'hémoglobine glyquée, hein, l'HbA1c. Alors, cette hémoglobine glyquée, normalement, elle est inférieure à 6. Et puis, mais elle augmente parallèlement aux erreurs alimentaires et aux surcharges alimentaires que le patient fait. Donc le patient, il vient vous voir avec la bouche en cœur, le poids n'a pas bougé, et puis il ne se sent pas bien, et puis il vous dit, mais docteur, promis juré, je fais le régime. Et puis il a une hémoglobine glyquée à 8, 9, 10, 12. Ça veut dire qu'il a des moments où il craque complètement, il fait n'importe quoi. Donc là aussi, il faut surveiller la résistance à l'insuline et surtout, il ne faut pas se décourager, il faut leur rappeler le régime diabétique à chaque consultation. Parce qu'ils ont tendance à oublier et vous avez beau leur dire que comme ils sont diabétiques, il faut qu'ils fassent à vie, il faut que ça soit à vie. Dès qu'ils ne feront plus, ils vont avoir des tas de problèmes, eh bien ils oublient systématiquement. Donc ne vous découragez pas, répétez.
Le principe de l'enseignement, c'est de répéter. Alors, pour éviter les yo-yo glycémiques, source de prise de poids, de fatigue et de fringales, je vous l'expliquer en 2 minutes. Il faut faire 4 petits repas par jour, avec à chaque repas un fruit ou un farineux pesé. Alors, le farineux, c'est en général 60 grammes de pommes de terre, 120 grammes de pâtes, 200 grammes de fabacé, plus une protéine. Alors, la protéine va tamponner le yo-yo glycémique. Voilà. Alors, en général, ils prennent un petit déjeuner sans protéines. Après, enfin, ils font n'importe quoi. Ils prennent un goûter sans protéines. Donc, évidemment, ils ont des yo-yo glycémiques, ils ont des coups de pompe, ils ont faim. Enfin, bref. Voilà. Donc, c'est assez facile. En fait, il y a deux questions à se poser avant chaque repas. C'est est-ce que je choisis un fruit ou un farineux? Et la deuxième question, c'est quelle protéine je mange avec? Oui, c'est très simple. Et puis, si malgré ça, il y a des fringales, eh bien, on prend une barre protéinée ou une protéine carrément, hein, un blanc de poulet, 2 rondelles de saucisson, etc. Et ça va calmer l'hypoglycémie. Alors, la complication typique de ce diabète de type 2, c'est le syndrome métabolique qu'on a appelé aussi le syndrome XXL. C'est un ensemble de 7 maladies qui apparaissent au fil du temps, l'une après l'autre, dès 50 ans. Donc le diabète de type 2 va entraîner une obésité abdominale, c'est ce qu'on appelle la bouée, une hypertension, une hyperlipidémie, et en particulier l'hypercholestérolémie. Il y a énormément d'hypercholestérolémie qui sont le symptôme d'un diabète débutant. Donc ça ne sert à rien de baisser le cholestérol, hein, pour traiter ce diabète débutant. Une goutte. Une microalbuminurie, donc ça veut dire que le rein commence à souffrir, il y a de l'albumine dans les urines, des thromboses et des phlébites. Alors, pour le diagnostic, je dirais naturopathique de ce syndrome métabolique, c'est très simple. Le tour de hanche est supérieur, le tour de taille est supérieur au tour de hanche. Donc là, vous pouvez, ça a été démontré, un tour de taille supérieur, égal ou supérieur au tour de hanche, c'est un hyperinsulinisme. Et donc, c'est une évolution vers le syndrome métabolique. Il suffit de réduire le poids pour que ces 7 maladies disparaissent. Donc, autrement dit, la solution du syndrome métabolique, c'est le régime diabétique. Répétez-le à toutes les consultations, le patient l'oublie. Pourtant, c'est la clé de son état de santé. Alors, comment faire? Qu'est-ce qu'on va leur proposer? Ben, évidemment, là-dedans, vous avez le foie gras. Hein? Un des symptômes associés au syndrome métabolique, c'est le foie gras. Et puis, comme ils mangent beaucoup de sucre, eh bien, il faut savoir que dans l'intestin, vous avez des bactéries et vous avez des champignons qui sont capables de transformer les sucres en alcool. Ça s'appelle la fermentation. Et ça donne de l'alcool. Et donc, on voit apparaître ces obèses avec ce qu'on appelle un NASH, c'est-à-dire la non-alcoolique Steatohépatitis, qui est une cirrhose sucrée. Ils boivent, ils mangent du sucre et leur organisme le transforme en alcool et ils meurent cirrhotiques. Vous voyez, c'est pas tout de leur dire d'arrêter l'alcool, il faut qu'ils arrêtent les sucres. Donc, soutien du foie, troubles lipidiques, hépagallène, remède à prescrire plusieurs fois par jour. Si vous ne le faites pas, vous ratez plein de choses. Et puis alors, il y en a un que j'adore aussi, c'est le R12, le jodin. Ça, c'est un remède du vieillissement vasculaire. Et on voit barytamure, arnica, chromium, kaliumione, phosphorus, plombone. Ça, c'est tous les grands remèdes du vieillissement vasculaire et de la microangiopathie. Alors, on s'en doute d'ailleurs parce que les gens ont des troubles de concentration, des maux de tête, des vertiges, des acouphènes, etc. Ça, c'est les syndromes de la microangiopathie. donc là, R7, R12, à partir de 70, 80 ans, c'est vraiment des traitements de base. Alors, bien sûr, pour le diabète de type 2, on ajoutera le R40, on ajoutera, pour aider à la perte de poids, le R59. Hein, très souvent, en plus, ces gens-là sont en hypothyroïdie fruste, hein, ils ont
le cholestérol qui monte, les cheveux qui deviennent secs et cassants, un ralentissement cognitif, etc. R59. Et puis vous arrêtez bien sûr les dentifrices au fluor. Hein. Et puis pour les fringales, R86, insulinum compositum. S'il y a des troubles circulatoires périphériques et en particulier le fameux pied diabétique, hein, c'est-à-dire, vous savez que les diabétiques, on est obligé de leur couper les orteils, puis le pied, puis des fois la jambe, hein, c'est ce qu'on appelle les hommes saucissons. Eh bien là, avant d'en arriver à ce stade-là, en angine, et puis grand remède de l'oxygénation tissulaire pour justement les tissus qui sont asphyxiés par cette nephrangiopathie, le R91, très intéressant dans ces pathologies-là. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a des recherches très intéressantes actuellement sur le phénomène de glycation des protéines. Vous savez que les protéines, il y a des lipoprotéines d'un côté et il y a des glycoprotéines de l'autre. Parce que si vous ajoutez du sucre et du stress oxydatif, eh ben, le sucre va bloquer le métabolisme protéique et il va y avoir un véritable vieillissement tissulaire à tous les niveaux. Voilà. Et ça s'appelle donc la glycation. Alors, malheureusement, ce phénomène de glycation, tout le monde en parle, mais on n'a pas d'examen biologique bien évident dans la glycation. Alors, personnellement, moi, j'utilise le protéinogramme différentiel des BNS, et quand je vois apparaître une hyperalpha-2-bêta, je sais qu'on est dans un problème vasculaire et dans un problème de glycation. Voilà. Alors, R42, hein, les varices et la rétention d'eau, hein, très intéressant. Les jambes en poteau, avec bien sûr amamélis, aesculus, calcarea pleure, pulsatilla, c'est des grands remèdes, tout ça. Et puis, Vipéra, qui est quand même un grand, grand remède de prévention des thromboflébites. Ça, c'est très, très intéressant, Vipéra, dans la thromboflébite. Donc, vraiment, prévention des jambes lourdes et des varices et du risque phlébitique. R42. Allium sativum compositum. Alors, évidemment, le fait d'avoir un lit vasculaire périphérique qui se bouche progressivement, eh bien, les tissus qui sont en hypoxie vont téléphoner au cœur pour demander d'augmenter la pression. Si les tissus n'ont pas d'oxygène, ils vont être mal. Il y aura des crampes, il y aura des vertiges, il y aura tout un tas de symptômes extrêmement désagréables. Donc le cœur, pour compenser, va augmenter la pression. Alors évidemment, les allopathes, ben, ils ont des moyens extrêmement puissants pour stopper cette augmentation de pression artérielle. Alors en sachant que là aussi, ils traitent la manifestation, ils ne traitent pas du tout la cause. Et donc, les tissus vont de nouveau avoir besoin d'oxygène. Donc, ils vont retéléphoner au cœur pour qu'il augmente la pression. Et donc, au bout de certains temps, ben, il y aura un échappement à ces remèdes. Donc, l'allopathe, il va donner deux produits, puis trois. On va avoir des trithérapies hypotensives pour vraiment protéger le cœur. Mais en protégeant le cœur, on asphyxie complètement les tissus, puisqu'on n'a pas traité la cause qui est la microangiopathie. Donc les gens sont très mal, ont beaucoup d'effets secondaires de leur hypotenseur, ce qui fait que d'ailleurs il y a à peu près un tiers des gens hypertendus qui ne se traitent pas, parce qu'ils sont encore plus mal avec le traitement que sans. Donc nous on a quand même des moyens physiologiques pour ça. Bien sûr, allium sativum composé, hein, R85, Vernadon, hein, pour tonifier la fonction cardiaque et rénale, et en particulier s'il y a une insuffisance cardiaque, un début d'insuffisance cardiaque associée avec rétention d'eau, hein, les chevilles qui gonflent, les petits troubles du rythme, etc. Hein, ça marche bien pour les insuffisances cardiaques débutantes, en particulier droite, avec les jambes qui gonflent et puis l'essoufflement. Bon, ceci dit, bien sûr, il faudra faire un bilan cardiaque sérieux, en particulier s'il y a des souffles, voir s'il n'y a pas de troubles du rythme, etc. Et puis alors, pour moi, le grand remède quand même des pathologies cardiaques de vieillissement, c'est le R2 au rein, c'est le grand remède.
de l'hypertension artérielle, avec aconite, arnica, aurum. Hein. Alors, c'est un remède qui est tout à fait efficace et très vite. Corvosan, alors ça, c'est déjà un remède plus organique. Hein. Là, on est dans l'insuffisance cardiaque organique. Et c'est un remède qui est très intéressant parce que il va justement, moi je m'en sers en particulier dans les suites d'infarctus. Des gens qui récupèrent pas après un infarctus. Alors en général, ils ont tout un tas de médicaments allopathiques. Et donc, ça permet de rester très physiologique, le R3, Corvosan, est vraiment un remède. D'ailleurs, c'est un tonique cardiaque. Hein, Strophanthus est tonique cardiaque. Cactus, Digitalis et tonique cardiaque. Alors, très intéressant, Digitalis en homéopathie, c'est un remède des cure-lents. En allopathie, ils n'ont pas grand-chose pour les cure-lents, alors que Digitalis en homéo marche très bien. Imbellion, donc on a vu manque de concentration, trouble de mémoire. Pteridion, alors Pteridion, c'est une petite araignée, R29. C'est un remède des troubles de l'équilibre, vertiges liés aux troubles de la circulation cérébrale, artérosclérose, et puis également, bien sûr, vertiges liés au traitement hypotenseur, mal dosé. Alors, il y a un petit symptôme de pteridion dont il faut se rappeler. Le patient est aggravé en particulier quand il descend, c'est-à-dire quand il descend un escalier ou quand il prend l'ascenseur et que l'ascenseur descend. Il est extrêmement mal tout d'un coup. Et bien sûr, on l'utilisera aussi dans les vertiges liés au syndrome de Ménière. Donc, c'est que le syndrome de Ménière, c'est l'association de vertiges, d'hypoacousie, donc de surdité et de bourdonnement d'oreille. Et là aussi, l'allopathie n'a strictement rien. Hein. On les met au Valium, au vasodilatateur, mais ça marche plus ou moins bien. Alors que là, R29 peut vous donner des résultats extrêmement rapides. Mortivirone, alors ben, ça c'est le Viagra homéopathique, hein. C'est pour les troubles du désir et de la réalisation, Damiana, anus cactus, testis, etc. Alors j'avais un patient qui me disait, je prends ça parce qu'il y a de la génuflexion pendant le service. J'ai trouvé que c'était poétique. Tabagam compositum. Alors évidemment, il n'y a pas de secret. Les patients qui ont des artériopathies, majoritairement, c'est des alcoolo-tabagiques. Donc c'est très très important de sevrer ces patients de tabac. Et d'ailleurs, on a en novembre un séminaire justement sur l'anxiété, la dépression, le burn-out, etc. Et vous verrez que le tabac est utilisé larga manu par les gens parce que c'est un stimulant de la dopamine. Et donc, ça tonifie l'éveil, ça fait pétiller l'esprit. C'est pour ça que les gens fument. Et en fait, il y a des tas d'autres moyens d'améliorer la dopamine et donc de faciliter l'arrêt du tabac, et entre autres le R77. Il est très intéressant, avec un petit équivalent d'ailleurs de Luxlumica qui est Robinia pseudo-acacia. Alors la structure est une expression de la fonction, comme vous le savez, et une cellule qui manque d'énergie réduit sa fonction au minimum et utilise une très grande quantité de glucose par une voie anaérobie qui va provoquer une accumulation de toxines et en particulier d'acide lactique dans son environnement. Alors ça, c'est très intéressant parce que le premier symptôme de ça, c'est l'écran. Voilà, donc l'utilisation en excès du glucose par les tissus hors oxydation physiologique, ça va donner bah, tout un tas de sous-produits toxiques, le sorbitol, les radicaux NA, et puis ça va activer l'expression des médiateurs tumoral necrosis factor, etc. Donc c'est pro-inflammatoire,
Et c'est vraiment l'entartrement général de l'organisme. Donc là, de nouveau, on retrouve cette molécule de glucose qui est un facteur de mutation. Voilà, alors il y a tout un tas d'études actuellement hein, faites sur les protéines glyquées, sucre plus protéines. En fait, les protéines, elles sont là physiologiquement. Hein. Je dirais que c'est sucre et défaut d'oxygène va altérer les protéines. Et ces protéines glyquées, en particulier s'il y a une surchauffe, va entraîner un encrassement cellulaire et des mutations. Et on a même dit que, en particulier, ça pouvait être mutagène, donc cancérigène. Et ça a été, c'est actuellement encore beaucoup à l'étude, en sachant que malheureusement, actuellement, on n'a pas de tests biologiques qui nous permettent d'évaluer précisément la glycation des protéines, qui est un facteur de vieillissement très intéressant. Alors, la grande mode depuis longtemps, c'est les hyperlipidémies, hein, le fameux cholestérol. C'est un trouble biologique qui concerne près de 20% de la population européenne dès l'âge de 50 ans. On distingue les hypertriglycéridémies, qui est un mécanisme plutôt alimentaire, hein, graisse alimentaire et alcool. Donc ça, c'est assez facile à limiter. Et puis les hypercholestérolémies, qui sont des graisses endogènes, parce que les deux tiers du cholestérol proviennent des sucres. Hein, ça a été en particulier mis en évidence, on a marqué des protéines de sucre, et puis on s'est rendu compte qu'on les retrouvait dans le cholestérol. Et donc, c'est ce qui explique que ça ne sert absolument à rien de faire un régime anti-cholestérol et même de prendre des aliments sans cholestérol, puisque le cholestérol est synthétisé à partir des sucres. Alors, l'hypercholestérolémie, quand quelqu'un vient vous voir en disant, voilà, oh là là, j'ai 8, 9, 10, 12 millimoles de cholestérol, c'est affreux, on m'a dit que j'allais mourir demain, j'allais faire un infarctus, etc. Alors, il faut tout de suite calmer le jeu, là aussi. Dire d'abord, avant de s'énerver à baisser le cholestérol, il faut se poser la question de la cause. Ça ne sert à rien de traiter la manifestation si on n'a pas identifié la cause. Alors, il y a quatre causes à l'hypercholestérolémie. D'abord, le diabète gras qui va évoluer vers le syndrome métabolique. Et je vous l'ai dit, le cholestérol qui monte, c'est le premier symptôme d'un diabète débutant. Donc là aussi, régime diabétique et généralement un peu de chrome, etc. Et le diaglucon, et tout s'améliore et il n'y a plus de cholestérol, curieusement. Deuxième cause, les pathologies inflammatoires. Les hypercholestérolémies sont des marqueurs de maladies inflammatoires, et en particulier rénales. Les glomérulonéphrites donnent des grosses hypercholestérolémies. Ça ne sert à rien de baisser le cholestérol. Il faut identifier le mécanisme et le traiter. Également, les hypothyroïdies augmentent le cholestérol. Là aussi, ça ne sert à rien de baisser le cholestérol. Il faut traiter l'hypothyroïdie. Et puis, plus rarement, le cas le plus rare, 3% des cas, c'est des hypercholestérolémies familiales. Alors, il y a généralement, bon, elles apparaissent tôt, il y a des cas dans la famille, il y a un petit symptôme qu'il faut rechercher, c'est le xanthélasma. C'est-à-dire, c'est des petites taches jaunes, des petites coquilles jaunes sous les yeux, sur les paupières. Hein. Alors, il y en a une qui est célèbre pour ça, c'est la Joconde. Hein, quand on regarde à la loupe le tableau de la Joconde, on se rend compte qu'elle a un xanthélasma. Et puis on connaît l'histoire de cette femme, elle est morte à 35 ans d'une maladie vasculaire. Voilà. Et comme quoi la médecine rejoint l'histoire de l'art. Donc les pathologies vasculaires évoluent avec le cholestérol. C'est une corrélation statistique, mais ce n'est pas une corrélation de cause à effet. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ben ça veut dire c'est un peu comme le nombre des parapluies dans les rues et les inondations. C'est une corrélation statistique, mais ce n'est pas en éliminant les parapluies qu'on va améliorer les inondations. Oui. Alors, le traitement de ce trouble métabolique, c'est d'abord celui de sa cause. À noter que le cholestérol représente moins de 30% des plaques d'athérome. C'est la fibrome, qui est un cicatrisant inflammatoire, qui en constitue la majorité.
D'où le bon effet des antioxydants et des antioxydants et des oméga-3 qui vont limiter l'inflammation, donc limiter la fibrine, donc éviter que les artères se bouchent. Alors, chez Rec-Vec, on va utiliser l'hépagalène, on va utiliser surtout le R12, hein, jodin, on va utiliser le R54, hein, qui est un grand maître de l'artérosclérose périphérique, et puis bien sûr, on utilisera les remèdes du cœur. R3 pour les coronaropathies, R85 pour la faiblesse cardiaque, hein, R79, etc. Oui, on est tout à fait armé. Il faut rassurer les patients et surtout enlever l'équation complètement fausse qui vaut que hypercholestérolémie égale artère bouchée. C'est absolument faux. Et malheureusement, alors personnellement, moi j'utilise les bilans de nutrition santé hein, qui me permettent d'évaluer les problèmes immunitaires et les troubles métaboliques et surtout le stress oxydatif. Vous voyez là les trois, en haut à droite, vous avez les trois paramètres de stress oxydatif hein, qui sont très élevés. Et là évidemment, bah, c'est quelqu'un qui a une souffrance tissulaire actuellement en évolution et évidemment, il faudra lui mettre des antioxydants. Et on se rend compte d'ailleurs, il a un paramètre manganome élevé, donc il a un cholestérol élevé qui suit le stress oxydatif. Alors, le rein. Donc, on a vu les grosses parts métaboliques, mais il y en a donc. Le rein gère les liquides et les minéraux. Il a un rôle essentiel dans l'élimination des déchets protéiques, l'urée et les purines, c'est-à-dire les déchets de l'ADN. Hein. Qui sont riches dans les tissus jeunes et qui vont donner l'acide urique, donc la goutte. Il faut savoir que physiologiquement, l'alcool et le sucre fatiguent le rein. Et en particulier, on a une glycosurie, c'est-à-dire on pisse du sucre dès qu'on a plus de 1,8 g gramme par litre dans le sang. 1,8 g, ça fait à peu près, on va dire, 10 à 12 millimoles. Donc, dès que vous dépassez de 10-12 millimoles, eh ben, le sucre sature le rein et donc vous pissez du sirop. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser chez Rec-Vec? Eh ben, on a un excellent remède pour la prévention des calculs. Alors là aussi, ben, il faut demander aux patients de bien boire. Et puis, on va utiliser les grands remèdes. Il y a deux grands remèdes des calculs, hein, Berberis et Lycopodium, et puis d'autres qui sont des remèdes de sécheresse, Sarsaparilla et Nitricum acidum, qui sont des remèdes très intéressants à ce niveau-là. Donc, c'est un excellent remède de prévention des récidives de calcul. Alors, si le rein dysfonctionne, évidemment, il va y avoir des œdèmes. Et ce qu'on appelle l'hydropysie, la rétention d'eau un peu généralisée. Et puis, il peut y avoir aussi des inflammations rénales qui vont se manifester par la présence d'albumine dans les urines. Donc, à ce moment-là, on utilisera le R64, qui est un calmant de l'irritation des voies urinaires. Alors, il faudra préciser, est-ce que c'est glomérulaire? Et à ce moment-là, c'est généralement dans le cadre d'une maladie auto-immune. C'est une maladie de Berger, par exemple, ou glomérulonéphrite chronique, ou est-ce que c'est une tubulonéphrite, et à ce moment-là, c'est généralement une cause infectieuse. Voilà. Donc là aussi, il y a une recherche de la cause. On ne peut pas traiter les gens si on n'a pas un diagnostic précis. Alors, pour ce qui est de la goutte est une maladie métabolique très répandue, qui est liée donc aux purines, c'est-à-dire les résidus des noyaux cellulaires. Il faut bien comprendre qu'il y a une fragilité génétique, bien sûr, il y a des familles de goutteux, mais il y a essentiellement deux problèmes. Un problème alimentaire, l'input, qui est lié à un excès de viande jaune, c'est les viandes blanches, c'est-à-dire c'est la chasse, hein, c'est la volaille, hein, et puis c'est tout ce qui est les poissons et les abats, et puis le veau, bien sûr, hein, viande blanche. Au contraire, quand vous demandez à quelqu'un est-ce qu'il connaît le régime de la goutte, il va vous dire non, il ne faut pas de viande rouge. Non, non, c'est le contraire.
Il a droit à la viande rouge, mais il n'a pas droit à la viande blanche, ni aux poissons et aux abats. Ou alors, c'est un trouble de l'élimination rénale, et souvent, la goutte est la première manifestation d'une insuffisance rénale. Et puis, bien sûr, ces problèmes d'élimination sont majorés par l'alcool, et en particulier le vin blanc et la bière, hein, qui vont saturer le rein, qui vont bloquer le rein et qui vont provoquer la crise de goutte. Alors, cette manifestation de la goutte, en fait, c'est trois maladies en une. Il y a des crises de goutte que vous allez traiter avec le VR46. Il y a la lithiase urique avec les risques de calcul que vous allez traiter donc avec le complexe de la goutte. Et puis les tophies qui sont des articulations déformées et qu'heureusement, on ne voit plus beaucoup parce que les gens sont traités avant et puis on ne laisse pas évoluer la déposition d'acide urique. Alors personnellement, moi, le plus beau cas que j'ai jamais vu de tophie goutteuse, c'est chez un jeune homme qui était dans la confrérie de Monseigneur Lefebvre en Valais, là, et en fait, ils avaient refusé de le traiter, et donc il a développé une pathologie rénale avec des tophies absolument abominables, et il est mort quelques années après. Voilà, on peut bien sûr penser à traiter des affections rhumatismales, hein. Ferrum phosphoricum qui est un grand remède des épaules, hein, des douleurs des épaules, lithium carbe qui est un remède de la goutte aussi, hein. Natrum sucre, les rétentions d'eau, rhododendron, l'hypersensibilité à l'humidité, c'est un rhumatisme de l'humidité, et Nux vomica qui est un rhumatisme d'engorgement métabolique. Alors après le rein, il faudra s'intéresser au poumon, bien sûr, hein. Il faut bien comprendre qu'on n'en a pas conscience, mais le poumon gère les gaz, et en particulier si on additionnait les inspirations qu'on fait tous les jours, ça représente 12 kilos de gaz. Donc les gaz sont 800 fois moins pondéraux que l'eau, mais quand même, on respire tout le temps. On ne boit pas tout le temps, mais on respire tout le temps, et donc ça fait beaucoup. Alors, évidemment, en plus d'assurer l'oxygénation des tissus et la création d'énergie via le cycle de Krebs, les poumons ont un rôle capital dans la formation du tampon bicarbonate. Et vous savez qu'il y a des acidoses et des alcaloses, respiratoires, hein, qui nécessitent l'hospitalisation en urgence du patient. Alors, il va falloir traiter ces patients, qui vont présenter des troubles respiratoires, bien sûr l'asthme, qui heureusement généralement cède relativement rapidement, hein, mais on a un remède qui marche bien, c'est l'Obelia Inflata. Alors l'Obelia, il marche d'autant mieux, je dirais, que c'est des enfants, des jeunes enfants. L'Obelia, pour moi, c'est un grand remède de l'asthme des enfants. C'est assez efficace. Et puis par contre, on a un complexe des bronchites chroniques, le R57, hein, Scorosane, qui est. Alors, bon, ça, généralement, c'est des fumeurs, hein, qui ont. Alors, là aussi, dans le cas des affections respiratoires, faut faire la différence entre ce qui est bronchitique, c'est-à-dire l'atteinte de la fonction, hein, et ça, c'est très souvent des fumeurs, et puis quand ça a évolué depuis longtemps, eh bien, on a une atteinte de la structure et là, on a de l'emphysème. Et là, la structure elle-même du poumon est atteinte. Et donc, il faut faire des tests pour voir quelle est la part des pathologies de bronchique et des pathologies du tissu pulmonaire lui-même. De toute façon, R57 soutient bien ça, en particulier avec Silicea, qui est quand même le grand remède. Du poumon, des atteintes du poumon. Alors ça, c'est un complexe pour l'aigu, pour les toux, hein, toux, canne de toux, toux creuse, mucus, etc. Alors très intéressant, IPK, hein, Bryonia IPK, Corallium rubrum, le corail, hein, les toux quinteuses, Coccus cacti, Drosera, les cannes de toux de la coqueluche. Hein, voilà. Là, vous avez tous les grands remèdes de la toux, et puis également thymus,
le thym qui est à la fois antispasmodique et antiseptique. Pulmosol, alors ça c'est vraiment le catarrhe bronchique, la toux grasse avec inflammation des voies respiratoires. Voilà, et puis là-dedans, alors le remède qui fait la différence, c'est Kalium Carb. Hein. Kalium Carb, c'est quand même le grand remède de l'insuffisance cardio-respiratoire. Et avec un petit symptôme intéressant, c'est que tout aliment se transforme en gaz. C'est-à-dire non seulement il étouffe, mais en plus, il a des troubles du rythme, il a toute une insuffisance cardiaque, mais en plus, dès qu'il mange, il ballonne. Voilà, ça c'est le grand symptôme de Kalium Carb. Et puis enfin, dernier émonctoire, la peau. La peau. Si la peau s'exprime, c'est qu'il y a un émonctoire interne qui est dysfonctionnel. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de dermatologie, hein, mais pour moi, il y a deux pathologies qui sont fréquentes et intéressantes. Deux pathologies qui sont des éruptions symétriques, chroniques ou récidivantes, et qui sont typiques de troubles métaboliques internes. Alors, le premier, c'est le psoriasis, dont la cause est un trouble métabolique hépatique, et les Chinois disent que c'est une chaleur à la peau sur vide de sang du foie. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que on va mettre de la cortisone, de la vitamine D, des tas de trucs, etc. On est complètement à côté de la plaque. C'est une pathologie hépatique, donc ça marchera si vous traitez le foie. Et d'ailleurs, ça explique l'aggravation, les poussées de psoriasis quand il y a des phénomènes émotionnels, parce que le foie, c'est le bouclier des émotions. Alors, on a deux remèdes tout à fait remarquables pour traiter le psoriasis, c'est bien sûr le R7, vous allez redonner du punch au foie et à la vésicule biliaire, et puis vous avez les remèdes du pso, le R65, hein, psoriasine, qui contient arsenic comme album, berbérice, kalium carb et Centella asiatica, qui est un cicatrisant cutané. Arsenic comme album, c'est un remède de tension nerveuse, berbérice aussi, et de sécheresse. Hein. Et puis calcara carb, c'est un grand remède d'hypoxie tissulaire et des adaptations. C'est un remède de chaleur justement au niveau du cœur qui va se manifester sur la peau. Deuxième pathologie très fréquente, l'eczéma est un trouble fonctionnel rénal. Hein, c'est-à-dire le rein, il faut savoir qu'il y a plus de 300 fonctions qu'on aura. Donc les toxines qui ne sont pas éliminées par le rein vont repasser dans le sang. Et donc, vont être éliminés par la peau sous forme de bulles d'eau. Et quand vous demandez à un dermatologue qu'est-ce que c'est l'eczéma, il vous dit c'est n'importe quoi. Ça peut être des fissures, des croûtes, des suintements, n'importe quoi, à condition que la lésion primitive, ça soit une bulle d'eau. Voilà. Et en fait, c'est ça qui fait la définition de l'eczéma. Donc, s'il y a des bulles d'eau, vous savez que c'est le rein qui ne va pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser à ce moment-là? Eh bien, on va essayer de comprendre, on va essayer de relancer le rein, et puis on va utiliser des produits qui vont avoir un effet sur le rein, et bien sûr arsenic comme album, bien sûr apis, et bien sûr sulfure. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Personnellement, moi, j'ai beaucoup d'enfants atopiques. C'est que l'atopie, c'est des enfants qui ont de l'eczéma avant l'âge de 6 mois et qui, après, ils traînent l'eczéma pendant des années et des années. Ça va toucher les paupières, les plis, etc. C'est assez galère. Et en particulier, ils vont être aggravés dès qu'ils mangent du lait de vache et dès qu'ils sont vaccinés. Donc, j'explique aux mamans qu'il faut qu'ils arrêtent le lait et puis qu'ils arrêtent, ou du moins qu'ils repoussent au maximum les vaccinations, parce que ça va être un carnage à chaque fois. Voilà, donc, et puis à ce moment-là, vous pouvez utiliser R23. Voilà, et bien sûr, cela explique que les traitements locaux n'ont qu'un effet suspensif. Ça explique aussi que le traitement local, qui est à base de cortisone, qu'est-ce que c'est la cortisone? Eh bien, c'est l'hormone du rein. Le pôle rein, c'est l'endocrine du pôle rein, c'est la surrénale. Voilà, et bien dites donc, on a fait beaucoup, beaucoup de diapos, on a été très vite. Je pense qu'il y a pas mal de questions. On va prendre les questions.
Alors oui, c'est vrai il y a eu des questions. Alors il y en a certaines qui ont été répondues directement. Il y a une question qui revient très souvent, c'est est-ce que le R7 peut être proposé en cas de calcul biliaire? Alors Oui. c'est vrai que ça doit dépendre de la taille du calcul, mais donnez-nous votre avis. Oui. Pour moi, il n'y a pas de contre-indication. Alors après, il y a un problème de sensibilité. Hein, il y a un problème de quantité. Alors, il y a des gens qui, en fait, c'est vrai, peuvent faire des petites nausées, des vertiges, même des maux de tête hein, avec le R7. Eh bien, c'est parce qu'ils sont hyper. C'est que le foie est vraiment en très mauvais état. Donc, il faut y aller doucement. Hein. À ce moment-là, je donne 2-3 gouttes par jour. Voilà. Ou même, j'espace, un jour sur deux. Mais pour moi, ça me paraît fondamental de bien comprendre ce qui se passe au niveau du foie et de traiter le foie. Pour moi, il n'y a pas de pathologie métabolique sans traitement du foie. Oui, j'appuie lourdement. Hein. Je pense que les naturopathes ont bien conscience de ça et ils savent que le foie, c'est un organe central. Ensuite, il y avait une autre question. Alors, est-ce que vous pensez que le risque de fracture par ostéoporose apparaît plutôt en cas de ménopause précoce? Alors oui, en sachant que une des causes de la... Une des causes de l'ostéoporose, c'est la sécheresse des tissus. Et cette sécheresse des tissus, alors il y a deux choses qui compensent la sécheresse des tissus, hein, il y a les sels minéraux et il y a les phytohormones et les hormones stéroïdiennes. Donc, hein. Donc si vous êtes carencé en hormones stéroïdiennes, eh bien, vous faites une ménopause précoce et donc vous avez un risque d'ostéoporose plus tôt, plus jeune, oui. Oui. Donc, il faut faire un traitement, si vous voulez, ça ne sert à rien de faire les bisphosphonates, tout ça, c'est vraiment des conneries. Ça ne sert vraiment à rien. Il faut remettre de l'eau dans les tissus et il faut faire un exercice physique régulier. Moi, je crois que la remise d'eau dans les tissus et l'exercice physique régulier, c'est fondamental. Ensuite, il y avait une autre question. Alors, on a répondu, hein, mais donnez-nous votre avis quand même. C'est une personne qui souffre d'arthrose de la hanche, qui va prendre du R73. Une Oui. question qui vient aussi souvent, c'est sur combien de temps est-ce qu'il faut faire une pause, une fenêtre Alors, thérapeutique? l'arthrose de hanche, alors d'abord, très souvent, l'arthrose de hanche, ça survient sur des gens qui sont en surpoids. Donc, alors pour l'arthrose, la première chose à corriger, c'est le surpoids. Hein? L'exercice physique qui est indiqué pour les arthroses, c'est la natation. Parce qu'il n'y a pas de poids qui se pose à ce moment-là sur les articulations. Et puis, il y a quand même une maladie qui est relativement fréquente et qui apparaît à partir de 50 ans, auquel il faut penser dans les coxarthroses, c'est l'hémochromatose. C'est la surcharge en fer. Et donc, l'hémochromatose va donner des particules de fer qui vont se loger dans les articulations et ça va faire l'effet d'une paille de fer sur une casserole. Vous voyez? Et ça va bouffer l'articulation extrêmement vite. Et donc, quelqu'un pour moi qui a dans ma cinquantaine et qui commence à avoir une arthrose de hanche, la première chose que je fais doser la ferritine. Hein? Et on se retrouve, au lieu d'avoir 50, on se retrouve avec 500 de ferritine, je sais que c'est une hémochromatose qu'il faudra traiter par des saignées régulières. Okay. Là, je pense qu'on a répondu un petit peu à toutes les questions qui avaient été posées. Après, bon, on avait une question concernant la posologie au bébé. Alors, ça dépend toujours de l'âge, hein, entre 3 et 5 gouttes. Oui, alors c'est ça, c'est un problème de prise de goutte. Bon, alors si vous voulez, il y a des sensibilités particulières. Le bébé, on les met. Moi, je mets des gouttes dans le biberon du bébé, je ne me casse pas la tête. Hein. Bien. Alors là, je crois que c'est Bon, de bon, on toute a façon, fait. si ça marche pas ou s'il y a une aggravation, vous allez le voir tout de suite. Hein. C'est la problématique de l'homéopathie par rapport à l'allopathie.
L'allopathie, vous donnez des molécules chimiques qui agissent pondéralement, en fonction des récepteurs. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine non plus d'en donner des quantités énormes, vous saturez les récepteurs. L'homéopathie, c'est donneur d'ordre. C'est-à-dire, vous téléphonez à votre belle-mère et vous lui dites, mamie, on va venir manger dimanche chez vous. Ce n'est pas la peine de l'appeler 50 fois, elle a compris, la mamie. Alors maintenant, elle a envie que vous veniez ou elle n'a pas envie, ça c'est autre chose. Hein, donc c'est pareil, et ben, l'organe y répondra ou il répondra pas selon son état fonctionnel. Mais l'homéopathie, fondamentalement, on est dans des thérapeutiques, c'est de la thérapeutique d'information. Donc en fait, vous donnez l'information et vous regardez comment le sujet réagit. Moi, c'est vrai que c'est un bon exemple. Bon, en tout cas, merci beaucoup hein, pour ce beau webinaire. À chaque fois, c'est tellement passionnant. On a toujours beaucoup d'informations. Et aussi, un grand merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire. Vous pouvez noter déjà que le prochain webinaire aura lieu le 29 novembre. Le thème, ce sera les pathologies des troubles nerveux. On parlera du burn-out, de l'anxiété, de la dépression. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à répondre au petit questionnaire qui va vous être envoyé tout à l'heure. Et puis, ben voilà, une bonne soirée à tous. Et puis, on se réjouit du prochain webinaire. Merci beaucoup, Jean-Yves Henry. Au revoir à tous et à toutes. Au Merci. revoir.